Allez, allez, donc, re à tous. Donc, voilà, la petite coupure est finie. Hein. Hop, on va pas tarder. Voilà. Tac. Donc, c'est parti. On est toujours au même endroit. Hop là. Donc, on doit trouver un moyen de remonter là. Parce que c'est chiant sinon. Alors, est-ce qu'on peut monter là-haut? Non, pas drôle. Ça non plus, on peut pas monter? Lol. Ah, par contre, ça on peut. Ok, bon. Il y a des endroits qu'on peut pas monter, bah c'est super. Bon, voiturier, tu te démerdes là? Je t'attends. Bah, il était temps, feignant. Je savais que je te payais pour rien ici. Eh, dégage. Donne ma moto. Eh, casse-toi. Alors, donc ça j'ai fait, ça j'ai fait. faudrait se trouver une baraque. Putain, la baraque elle est de l'autre bout de la map. Oh là là, bon bah. Je crois qu'il y a que cet endroit, on va chercher un peu sur la carte, mais bon, je pense qu'il y a qu'ici. Hein. On peut se reposer. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de maisons. Salle de jeu à l'autre bout de la map, sérieux là? Dans l'eau, il y a une salle de jeu. Pourquoi pas? Bon, ça va, je vais prendre l'autoroute, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Re à toi, Black. Et tu m'as dit re. Alors, donc, oulala. On va prendre l'autoroute, on va être tranquillou. Oh, ce petit soir d'été à Hong Kong, on va se promener en moto. Hop là. Et c'est parti. D'ailleurs, ça manque par moment un petit voyage rapide. Parce que franchement, il y a des moments où il faut partir à l'autre bout de la map. Laisse tomber quoi. Et après, il faut tout retraverser en moto ou en voiture. C'est chaud. Allez, dégagez, bande de pilotes du dimanche là. Allez, je vous montre comment on pilote moi. J'ai vu un petit bonhomme rouge. Donc on va aller se le faire. Quoique, non, ici on a déjà fait. Au premier coup d'œil, j'ai repéré quand j'avais déjà fait. On s'arrache. Allez hop. Et je pense que mon prochain achat. Merde. Mon prochain achat, ça sera une petite moto. Enfin, une moto plus rapide que celle-là en tout cas. Parce que celle-là, elle traîne un peu du cul. Putain, le policier est toujours au même endroit, le mec. Il y a eu 10 missiles dans le parc. Enfin, dans la petite ruelle. Je suis sûr qu'il doit avoir des passages de prostituées. Hein. C'est pour ça qu'il reste là. Il les teste avant les clients, je suis sûr. Petit cochon. Ah. Oh, quel saut. Bon, c'est bon, là. Qu'est-ce qu'il fait? On n'avait pas le temps de s'allonger, là. Je vais juste prendre la moto là. Ah, quoique non, pas celle-là. Bon, tant pis. On va aller chercher l'autre qui est parti. Celle-là, elle ressemble à quoi? Ah, bah c'est la même. Bon, tant pis. Je croyais que c'était une moto de course parce que là, elle traîne un peu la moto. Hop. On garde la moto et on s'arrache. On n'oublie pas de saluer les gens. Salut! Salut! Eh! Hey. Tu peux me répondre quand je te parle? Oh! Je te parle! Bonjour! Ouais, je préfère. Hein. Bonjour, mesdames! Comment allez-vous? Oh, vous allez me répondre là? Oh! Oh, je suis gendarme! Oh, gendarme! Oh, ils en ont rien à péter! Oh, j'ai une arme! Regarde, je te tire! Ok, elle en a rien à foutre! Oh, je te parle, j'ai une arme! Ah, mais attends que j'ai ta pote! Hein? Hein? Voilà! C'est qui le patron? Allez, bouge! Non, mais oh!
apprends une ninja. Bah je sais pas où en trouver en fait. Ah non, d'accord, l'acheter. Bah je sais pas si tu sais l'endroit où l'acheter. Tu peux, si tu connais le jeu. J'irai l'acheter, mais pour l'instant j'ai pas assez de thunes, tu vois. On est pauvres. Nous sommes des pauvres délinquants. On vole les sacs à main des grands-mères et tout, tu vois. Donc, c'est chaud, quoi. Alors. Ah, tiens, lui, il vend de la cam, lui, tu crois. Il va se être embarqué, lui. Adios. Oh, carrément, regarde-moi ça, prise de catch. Hop là. Putain, le couteau, il lui a fait que boucher, quoi, le mec. Il a fait. Hop là. Trois coups lui a suffi pour le mettre en terre, quoi. Ça, c'est les flics qui sont trop PGM. C'est des ninjas. Il manquerait plus qu'une tenue ninja et c'est bon. Ça le ferait. Hop, de l'argent en plus. Activité. En fait, ça, c'est le truc le plus bidon à faire, quoi. Enfin, le compte-rendu de tout ce qu'on a mis en webcam, là. En plus, ça rapporte un max de fric. Bon, lui, je suis sûr que c'est lui. Hop. Le mec, il est isolé en face d'une bande, là. Outa, karaté. Hop là, karaté kid. Je sais pas pourquoi il le met à terre, en fait, mais bon, il l'attache et après, il le met à terre. Je pense que c'était plus au contraire qu'il faut faire, quoi. Il faut le mettre à terre, après tu l'accroches, quoi. Je sais pas. Mais bon, hein, tu peux faire les choses comme tu veux. Hein. Je vais pas t'apprendre ton métier. Hein. Alors, activité. Putain, j'en ai fait combien comme ça? Je crois que j'en ai fait que 3. Hein. Mais bon, c'est quand même beaucoup. Ah, bonjour mon pote, ça va? Je viens d'ici en plus. D'accord. Le mec il se demande où aller, quoi. Il y a le bateau juste à côté, non? Il y en a à foutre. En plus, il y a plein de bandits à côté, il pourrait arrêter tout le monde en même temps. Mais non, c'est juste celui qui vend. Bon, les autres, les acheteurs, on s'en fout. Bah voilà. Alors qu'ils auraient pu se faire de la thune. Alors. Tac, tac, tac. Bon bah maintenant, on est obligé d'utiliser pour rien. Ah, quoique. Peut désarmer les piétons armés sans avoir à se battre. What? Genre un piéton serait armé, quoi. Sérieux, là? Bon, il y a plus rien, il y a plus d'activité. Bon, on va aller faire un petit dodo. Quoique, on va peut-être se laver avant quand même. Hein. On va faire un petit pipi. On va... Hop. Allez. Oh putain, la gueule qui a le pauvre. Il est ensanglanté le pauvre. En même temps, il a fait une dure nuit de travail. Là. Ah bah, le mec a pissé à côté ou quoi? Oh. Ce qui est marrant, c'est qu'il se lave la tête et regardez. Hop, il y a tout son corps qui se lave. C'est efficace, hein. Hop là. Oh, je suis tout beau, tout propre. Limite, il manque plus que le pyjama et ça serait les Sims, quoi. Ils sont sérieux, là? Quand on se couche, il y a l'histoire qui continue après. Tant qu'on va pas se coucher, il y a plus l'histoire qui se continue, quoi. Lol. Oh putain, je kiffe mes pompes. Oh putain. Heureusement que ça donne un bonus de dégâts parce que j'ai l'air d'un clown avec ça. Putain. Oncle Po. Oncle Popo. Kekar. Alors. Il reste combien de trucs là? Il reste 1, 2, 3. Bon, il reste une bonne. Ouais. On va dire 8 à peu près.
Hop, je sors de chez moi, tranquillou. Salut mon pote, ça va, tranquille? Ça va? Oh, tu pourrais me parler quand je te parle. Enfoiré. Bonjour madame. Je vous emmène en rendez-vous, galant. Mais non, c'était une blague, oh. C'est bon. Ah, là, tu fais genre il travaille là. Mais qui est juste à côté. Alors, on va choisir quelle voiture pour le voiturier. On va prendre celle-là. Alors, c'est bon. Il est pour voiturier maintenant. Ouais, c'est bon. Et merde, j'ai oublié de la sélectionner aussi. Alors, donc. Ah, il fait que j'ai une petite mission à faire là, vite fait. Bon, c'est sûrement une quête supplémentaire. Bon, on va se garer bien pour une fois. Hein. Bon, ben, ils m'ont pas permis de me garer bien, mais bon, c'est pas grave. On va dire qu'on est bien garé. Le vieux à tête de dragon. Looks like you're gonna meet Uncle Poe. The rest of you, wait here. Don't do anything until you hear from me. What's going on? You are staying here like I told you. And you are shutting the fuck up. Got it? Yeah, boss. Of course. Good. Let's go. Voilà. Alors. Ah oui, le mec il monte dedans, il dit dégâts matériels. Ils sont sérieux là? Oh. Faut arrêter le délire là. Yeah, maybe just what saves us. I'm gonna bump Uncle Poe's cut. Hoping that does it. It's not fair, you know? Look what I built. The night market. All of North Point, really. The dog guys get screwed. What was I supposed to do, Huntley? I mean, Tanga? Just what you did. You can't back down from that asshole. You and him got history, huh? Well, me too. Listen, Wayne. Anything happens to me, you look after our people, okay? We're a family. Family has to stick together. Duke. Conroy, they're good guys. But they're not gonna be leaders. I know Conroy gives you shit, but you've proven yourself now. And he'll see it. Even if he doesn't want to admit it. He'll do me a favor. Look after Peggy and my mom, too. It's gonna be rough business. But one thing we got going for us is each other. Brothers, you know. I know people use that word a lot. But it means something to me. And it should to you, too. Not just that we're sun on you. Putain, il y avait une putain de bagnole là, devant là. Blood. C'est abusé. We look after each other. And we look after the people we love. Okay, Winston. See why told me he really works for Big Smiley, not Dog Eyes. I keep hearing his name. Big Smiley is back in Dog Eyes, sure. That's where he gets the balls to come after me. Lee has a lot of power. Along with drugs, he's into prostitution. Paul. He even sells women across the border into the rest of Asia. Things run like an industry. Very sleazy, big money. Winston, we can't just walk in there. Not if it's as bad as you say. We had a lot of choice. It's the way it's done, Way.
Besides, you can't hide from Uncle Paul. You want you dead, you're dead. And I'd rather see it coming, you know? You should be okay. But if I get my ass shot, do not do anything stupid, you hear me? Okay. Who gives a shit? Fuck off, John. Hey, Winston. What's wrong? You look a little pale, man. That dog guys tells me you've been throwing your weight around. What happened? You guys used to be tight as shit. Is he here? Nah, he left a while ago. Without a scratch. Doesn't bode so well for the other parties involved. Go right in. Have fun. Up. Uncle Paul. Ah, Winston. Come in. Sit down. Have some tea. And you, young man, must be Wei. Winston speaks very highly of you. Winston has been a good friend to me. I've tried to do right by him. I like the way you think. That's the attitude that makes us strong. Loyalty, discretion. Used to be more common. Winston says you're the one who made sure Siu Hua was not arrested. No, it was Winston's idea. He had to assert himself. Assert his position. But he didn't want to inconvenience you in the process. Did he now? In any case, you did well. I want to show you my gratitude. Uncle Po, there's really no need. Don't argue with me. Do you know Roland Ho? He has a business collecting debts. The other day, he told me that he could use some help. It's quite lucrative, you know. Tell him I sent you. Winston won't mind in the slightest. Will you? Thank you, Uncle. Winston, relax. I know you were provoked. God damn it. I bet $1,000 I was going to be carrying you out in a fucking body bag. Uncle Poe must like you. Yeah, I don't think he has an opinion on me either way. All right. I tell you what, you get tired of spinning your wheels in the night market, give me a call. There's more to this business than strong-arming street vendors. Ricky, your name's Ricky, right? I appreciate the offer. You know, let me think about it and I'll get back to you. Bon allez, voilà. Donc cette mission est finie. On purée la belle bagnole là. Vite. La bagnole. Mais non, il n'y a pas de vol là, voyons. C'est un emprunt. C'est juste un emprunt. Oh, comme par hasard. Il y a une voiture de prête quoi, putain. Bon. Tant pis. On est obligé. Qu'est-ce qu'il nous fait ce con? I mean, need your help on a couple of things. Yeah? Yeah. I tell you, it's easier to be a Red Bull than a groom. But stop by the restaurant when you're done there, okay? Got it. Ah là là là. Les jeunes de nos jours. De quoi dessus? Pourquoi tu dis dessus? Hey, Roland Ho? Who's asking? My name's Wei Shen. Ah, Wei. You got friends in high places, my boy. I hear you and Winston have been making trouble with Dog Eyes. Dog Eyes has been asking for trouble. I
I remember when I was like you, always looking for a fight, ready to kill anyone who so much as looked at me sideways. Here's a tip for you, kid. Don't take on a boss in your own triad unless you know for a fact someone else is gonna back you up. Hierarchy is the only thing anyone cares about. Always have, always will. Thanks for the advice, old timer. So, when can we get to work? Okay, big man. What Tyler Dingjo, Patsy Wing, bad luck at Mahjong. You'll need this. Collect what she owes. Hop, voilà, donc. Ah ouais, je suis déçu pour la voiture, bah normal. Normal, je suis obligé de me taper une poubelle, mort de rire. Oh putain. En plus je me tape des pilotes du dimanche là qui se mettent en plein milieu. Oh putain. Attends, la voiture elle est sérieuse là, elle m'a ignoré quoi, elle a failli m'écraser. Elle va pas s'en sortir comme ça hein. Ah, viens là, t'es avec ta poubelle. Allez, arrête toi. Abruti. Allez, descends. Ah bah voilà, je prends la voiture que je veux. You understand? Shit, that's a lot of muscle. Et merde. Oh, qu'est-ce qu'elle est moche. I don't care if you're sorry. I care if you have the money. I don't, I'm sorry. Alors, qu'est-ce que tu m'as? Stop saying that. Oh, on s'en fout que j'abîme la bagnole. On s'en calme. Mais toi, on est plus à ça près. Hein. Damn. I wasn't gonna do anything that bad.
next best thing, though. Got a car loaded with dope. All right, it'll have to do. Bring it back here as soon as you can. Don't drive around in a stash car any longer than you have to. Oups. Putain, qu'est-ce que je prends cher, là. Je crois que les keufs, ils vont jamais m'aimer, là. De toute façon, j'ai plus un point de keuf, donc je m'en tape. Juste ce que je voulais tout à l'heure. Ah. Bon, j'ai légèrement abîmé sa bagnole, hein, mais bon, hein. Elle a sûrement les moyens de s'en racheter une. Alors, planque de la centrale. Ah, bah voilà, on fait un truc en plus. Ah. Il était temps. Shen, il faut qu'on se voit tout de suite. Eh ben non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de te voir, moi. J'aime pas ta gueule. Ah bah, on est obligé, en fait. Raymond. Shen. Finally. Where the hell have you been? Look, I... Do you have any idea what's going on? What happened at the warehouse? Raymond, do you ever actually read my reports? Your reports? All I have to do is read the goddamn newspapers. They're calling it a massacre. If it ever came out that the police were involved, we're dead. It won't. Well, you can't know that. You at least could have turned COI over to us. It would have helped our case. And would have put the entire operation at risk. What does Pendrew say? You know, he's not your handle, Wade. I am. Well, then fucking handle it, Raymond. Well, how'd you think this was gonna go down? Huh? Whatever it takes. You remember that? You wanted results. And you can't get them sitting behind a desk, nose in a rule book, with a stick up your ass. Look, Raymond. I am doing what needs to be done. No. No, you've crossed the line, Wade. I'm gonna terminate this operation. You can't do that. Pendrew won't allow it. Pendrew may like to take chances. I don't. And you are dangerous. Fine. But before you go back to your office to try and pull the plug, go ahead and tell Pendrew that I just met the chairman of the Sun On Yi. The chairman? Wait, you're just a foot soldier. Well, this foot soldier has just been marked for promotion because I made sure Suwa got out safely. It'll be in my report, and maybe this time you'll actually read it. Putain, il lui a mis trop cher là. Il lui a mis trop cher. Vas-y, t'as qu'à lire le rapport, enfoiré. Il a mis trop de coups de pression là. Ah, tiens, il fait une sieste lui, normal. Hein. Ah, bah il est en train de taiser son nouveau lit en fait, c'est ça. Oh putain, elle est luxueuse cette baraque. On va tester le pipi room, tiens. Ah ben. On se lave un petit coup. On s'arrache. Allez, des merdes. On se tire. Hop. On se tire. Hop. Putain, c'est enfin un palace à mon image, quoi, sérieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a debout ? Un bout de chemin. Les perdants seront gagnants. Tiens, juste derrière, il y a un truc là. On va y aller. Tu sais déjà que tu vas rejoindre là. Alors là quoi ? Tac. La triade, c'est ça que tu as voulu écrire plutôt ? Parce que la triade, je connais pas. Hop, je prends ma bagnole et on s'arrache. Allez hop, laissez passer. Ah, là-bas il y a des bandits là. Il y a un beau petit coffre là. Ah,
crack. Putain, j'ai oublié de contre-attaquer depuis tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Ah, j'abîmais légèrement ma bagnole en l'écrasant. Ils ont la peau dure, hein. Ils ont la peau dure. Hop. Allez, on se casse dans notre bagnole. Hop, un petit demi-tour. Pardon, excusez-moi, madame. Bonjour. Bonjour. Je fais que vous écraser, ne vous inquiétez pas. Hop. Ta gueule. Dans ta gueule. Hop.